verra. Je t'attendais, justement. Je suis fier de toi, Vera. Je suis heureux de la façon dont tu as réglé les problèmes avec Victoria. Merci. Eh bien, je ne suis peut-être plus directrice artistique, mais je suis encore Vera Couture. Et peu importe la façon dont elle veut l'appeler. Tant que je serai là, c'est encore à moi. Pense à une personne que tu aimes énormément. La vraie raison pour laquelle tu as décidé de faire tout ça. Je t'aime très fort aussi, Angela. Oui. Oui, j'ai eu toutes les commandes. Merci beaucoup. Entendu. Madame Victoria. Madame Victoria. On a finalement décidé qui de nous deux allait devoir partir. Partir. Et c'est moi. C'est moi. Hein? Mais de quoi êtes-vous en train de parler, bande d'idiots? Madame Victoria. Bon. Est-ce qu'on est tous les deux ou... Dehors, oust. Madame Victoria. Allô? Allons-y. Faisons ce qu'elle demande. Est-ce que les tissus seront disponibles? J'en ai besoin demain. Oh merde.
Bien. D'accord, merci. Jedi, c'est passé de mode, ça. J'ai vu ça des centaines de fois. Et en plus, ce style fait vraiment débutant. C'est du déjà vu. Ça ne me plaît pas du tout. J'espère que derrière la carapace de Victoria, il y a la Anna que j'ai toujours connue et aimée. Si je n'avais qu'un seul souhait, ce serait que mes enfants me pardonnent. J'ai besoin qu'ils me pardonnent. Incroyable. T'as été génial hier soir, Kaloy. Je savais même pas que tu pouvais être aussi féroce. Pourquoi tu n'utilises pas tous ces mouvements lors du championnat? Ça serait classe. Je me suis peut-être un peu emporté. Je ne suis pas sûr de pouvoir refaire ça. Et pourquoi pas? Écoute, si tu continues à te battre comme ça, tu seras riche en un rien de temps. Kaloy? Je ne l'aime pas. C'est très mauvais. Recommence. Pourquoi tu es venue au gymnase? Je croyais que tu avais dit que tu voulais me voir après l'entraînement. Je sais, mais j'aurais pu aller à ton bureau à la place. On est au beau milieu de la journée, tu ne travailles pas? C'est de ça que je voulais te parler hier soir. Écoute, j'ai démissionné. Mais pourquoi? Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le plus important, c'est que je suis libre maintenant. J'ai déjà parlé à mon père et à ma mère. Et on dirait bien que...
Je vais pouvoir commencer à faire ce que je veux. Ils ont aussi dit qu'ils seraient derrière moi, quoi que je fasse. Eh bien, félicitations, Chloé. Pourquoi ton visage est couvert de bleu? C'est à cause de ton entraînement? Au fait, où étais-tu hier soir? J'ai essayé de t'appeler. Je devais m'occuper de quelque chose d'important. Une affaire si importante que tu n'as même pas pu parler à Jelai? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non. Tiens, mon gars. Ah, c'est la thune pour Kaloy? Ouais, c'est bien mérité. Ok, je m'en occupe. Je t'en prie. Kaloy! Excuse-moi. Voilà ce que t'as gagné. Tu l'as bien mérité. Mon Dieu, Kaloy. Pourquoi on a commandé autant? Allez, Chloé, c'est délicieux. Vas-y, mange. Ok, avant merci. Que ce soit moi qui avale tout. C'est ton anniversaire, Kaloy? Non, pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce qu'on fête? Je vais gagner une belle somme. C'est bon, non? Ben, oui. Mais je pensais qu'on allait prendre encore des nouilles aujourd'hui. Chloé, je te le dis, si l'argent continue de tomber comme ça, tu peux me croire, on ne mangera plus jamais de nouilles. C'est agréable de pouvoir prendre un bon repas pour changer. Qu'est-ce que je dis? Tu viens d'une famille aisée. Tu es sûrement habitué à ça. Arrête, ne dis pas ça. Kaloy, tu ne crois pas que tu devrais te laver les mains d'abord? Je m'inquiète. À vos ordres. Merci. Et voilà, mes mains sont toutes propres. T'as vu? Tu es contente? T'es okay. Pas très sympa de ta part. Désolée. Gary, j'ai oublié quelque chose. Demi-tour. Très bien, madame. Stop, Gary. Vous pouvez vous mettre là. Regarde la vérité en face, Victoria. Si tu es émue comme ça, c'est parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas le nier plus longtemps. Vera Couture est à toi. Tu as accompli ce pourquoi tu es venu ici. Il est peut-être temps que tu te donnes une chance d'aimer et d'être aimé. De réagir comme tu l'as fait hier soir. Je pensais qu'on avait trouvé un terrain d'entente. Un terrain d'entente? Sur quoi?
pour se laisser un peu d'espace. Pense que c'est mieux comme ça, Louis. En plus, c'est une bonne chose que t'aies pas beaucoup parlé hier soir, parce qu'honnêtement, j'ai un peu honte de toutes les choses que j'ai dites. Tu as honte parce que ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Non, parce que c'était vrai. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Non, Jelly, attends, s'il te plaît. Je te comprends parfaitement. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais ça ne veut pas dire que... je ne suis pas d'accord. Jelly... s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Allez. Oui, on a commencé par être des amis. Ça a commencé comme ça. Mais si tu y réfléchis, au tout début, on était des ennemis. Mais on a tous les deux dépassé ça. Parce qu'on est honnêtes l'un envers l'autre. Et maintenant, tu me dis que tu t'en vas. C'est hors de question, Jelly. Écoute, je t'ai pas demandé ta permission, Louis. Tu m'as dit que t'étais perdu. Mais ce n'est pas mon cas parce que je sais ce qu'on a. Tu te trompes. Écoute-moi. Pour l'instant, ce n'est pas encore très très clair dans nos têtes. Mais dis-moi, comment pourra-t-on un jour découvrir la vérité? Si on ne se laisse pas au moins une chance. Jelly... je ne te demande qu'une seule chose, s'il te plaît. Laisse-nous une chance. Gary, on y va. Où voulez-vous aller, madame? Roulez, Gary, peu importe. D'accord. Je suis désolé, Jelly. Louis, il y a une chose dont je veux te parler. Ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'en parler. C'est au sujet de Victoria, tu vois, c'est ma nouvelle patronne. Je suis au courant, Jelly. La vérité, c'est que je voulais qu'on en parle plus tôt, mais je me suis dit, pourquoi le faire, hein? C'est fini entre nous. Et j'ai dépassé tout ça maintenant. Et tu le sais, non? J'espère que... que tu ne la laisseras pas te faire de mal, surtout en ce moment. Jelly... ça te dirait qu'on sorte ensemble, s'il te plaît? Est-ce que tu l'aimes? Oui, comme un ami, oui. Je sais que dernièrement, il m'évite parce qu'il est en colère. Et peu importe ce qui se passe, il sera toujours mon ami. Et je veux pas lui faire de mal. Oh, c'est bon, on y est. Arrête la voiture.
Ne rentre pas, tu risques d'avoir du mal à la sortir après. Je sens que... quelque chose te tracasse. En fait, j'essaye... d'accepter la réalité à propos de moi et Jelai. Que nous pouvons être... juste des amis, rien de plus. Il faut vraiment que je passe à autre chose. Oui. Il le faut. Et si je te faisais la cour, Chloé? En plus, c'est vrai que t'es toujours là, pour moi. On va bien ensemble, non? Je suis beau. Et toi aussi, tu es belle. Et je ne pense pas que je perde au change. Donc je pense que je vais te séduire. Arrête ça. Tu as perdu la raison. D'un autre côté, tu es une fille riche. Et moi, je suis pauvre. J'ai pensé, la première fois que je t'ai rencontré, que tu étais snob. Maintenant, je suis sûr que j'avais raison depuis le début. Il faut vraiment que je trouve un bon travail pour qu'on puisse sortir ensemble. Car bien sûr, on devra se voir dans des endroits chics, il faut que ce soit luxueux et cher. Mon Dieu, tu ferais mieux de te reposer. Tu en as vraiment besoin. D'accord. Reviens ici quand tu veux. Quand tu auras pris ta décision, je serai là à t'attendre. C'est là que tu pourras me trouver. Dis juste que tu seras à moi. Quand tu seras prête. Vas-y maintenant. Ok. Tu veux pas me faire un bisou ? Je t'en prie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Bon, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Conduis prudemment. Il faut que tu regardes la réalité en face. Je suis sûre qu'il y a des emplois dans un zoo quelque part pour toi. Une vipère dans ton genre y trouvera sa place. Tu en as fait un vrai monstre. Non, Vera, c'est de ta faute. Tu récoltes juste ce que tu as semé. C'est le karma.